Bonjour et bienvenue un peu plus de Grounded. La nouvelle mise à jour vient de sortir, la 1.4, qui rajoute un New Game Plus. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Mais avant tout, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer la carte. Donc du coup, vous pouvez directement quitter la vidéo et y aller par vous-même. Par contre, il y a des prérequis. Donc on va parler un peu des prérequis une fois qu'on sera devant cette fameuse nouvelle porte de la 1.4. Donc c'est ici. Vous allez devoir aller ici. Vous allez avoir un tunnel et après une porte. Et il y a des prérequis à faire. Donc on se retrouve là-bas et on va parler de ces prérequis. Nous sommes donc arrivés à destination. Il faut faire attention s'il y a quelques moustiques et même des guêpes si jamais vous les avez débloqués. Donc ici vous avez notre petite molaire que j'ai pas récupérée apparemment. On va faire ça vite fait. Ok, très bien. Et maintenant nous avons donc notre petit nouveau passage. Donc c'est parti. Voilà, et nous sommes arrivés donc à cette fameuse porte. Donc il y a des prérequis qui sont montrés en fait par des petites images sur des moniteurs, donc ça c'est assez facile du coup à comprendre. Donc vous avez la guêpe à faire, je vais vous les montrer même tout simplement en données. Donc vous avez donc la reine des guêpes qui a été rajoutée dans une des mises à jour, la 1.3 je crois peut-être. Donc il y a la reine des guêpes à faire à tuer, vous avez aussi la mante orchidée à tuer, et après vous avez aussi la reine araignée à tuer, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est bien ces trois-là. Et après, vous avez ça. Donc ça, c'est par rapport à l'histoire. C'est la défense. Je crois que c'est ici. C'est la défense du Javamatic. Bâtiment de stockage Javamatic. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est ce bâtiment-là. En gros, grosso modo, c'est par rapport à l'histoire, ça. Donc vous continuez l'histoire et à un moment, on va vous envoyer ici pour le défendre, en fait, avec les mixeurs et tout ça. Donc c'est ça. Ça, c'est par rapport à l'histoire. Mais après, ce sont des trois boss, en fait, qui sont complètement optionnels. Mais maintenant, dans un sens, si vous voulez passer en NG+, ben, du coup, vous devez faire ça. Pour vous dire vite fait où sont les boss, grosso modo, pour ceux qui savent pas, bon, après, vous pouvez, il y a énormément de tutoriels, en fait, sur Internet. Donc vous avez l'araignée qui est ici. Vous avez l'orchidée qui est dans ce pot là, je crois, ou alors ce pot là, et après vous avez la reine des guêpes qui est là dedans, qui est sous ce bâtiment en fait. Et ça, par contre, il faut faire des petites choses en fait pour pouvoir énerver les guêpes et après pouvoir accéder en fait au nid de guêpes qui est sous le bâtiment. Donc ça aussi, c'est un peu plus compliqué ça pour le faire, mais voilà, en gros ce sont ces trois boss et puis l'événement. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne. Yay, c'est classe, c'est super classe, c'est super classe. Donc nous avons un nouveau bâtiment, waouh, il y en a de la science ici. Donc nous avons un nouveau bâtiment, ok, cross timeline, repeated action, post dimension shift, ok, c'est sympa. Nouvelle fonction du remix R. Mauvenel, toutes les évidences, je ne peux pas vous contenter d'arracher la peau d'un de ces Wandel alternatifs pour remplacer cette affreuse enveloppe ratatinée. J'ai remué le ciel et terre, etc., etc. Tranche de pingré absolument parfaite. Seul le temps nous le dira si le FML sera ultime témoin lubri lumineux. Je lis vite fait les choses, hein, parce que je pense que les gens veulent surtout voir comment ça fonctionne et ce qu'on garde et comment ça se produit, en fait, le NG+. Je lirai ça dans... de mon côté. Alors, les anomalies. Ok, repeated action to one timeline. Donc, bah, en gros, c'est la définition du NG+, quoi. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer? Non, pour le moment, non. Ok, ça marche. C'est très stylé, en tout cas. J'aime beaucoup l'ambiance. Yes, et voilà, on est à la machine. Le remixeur. Tu as découvert le remixeur. Donc ça, c'est la machine qui va nous permettre de faire du NG+. On va regarder s'il n'y a pas... C'est quoi? C'est tartine craquelante. C'est quoi ces trucs? Alors, une tranche de pain grillé qui est restée un peu trop longtemps sur le grille-pain. Un anka. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer? On a un scabi grillé. Je pense qu'on a tout. On regarde le scabi. Il y a encore d'autres branches. Tartine brûlée, tartine craquelante. Intéressant. Les scabi. Grillé. Voilà, c'est la couleur grillée. Ouais, c'est pas très très
je suis pas très fan. Honnêtement, le classique, ça me va très bien. Donc, il suffit d'activer ça de notre touch et on peut activer ça. Super tartine. C'est parti. Ah, il faut maintenir, pardon. Alors, ce que tu t'apprêtes à faire a des conséquences importantes et permanentes. Si tu as des tâches en cours dans cette partie, fais demi-tour. C'est parti. Alors, le NG+, qu'est-ce qu'il fait? Le NG+, en fait, va même créer des anomalies dans le jardin où des créatures vont être boostées à la science, en fait, à la science pure. Et vous allez voir, elles ont des auras, en fait, autour d'elles, et elles sont beaucoup plus puissantes. Et je crois que ça peut même arriver sur des boss, même les boss deviennent plus puissants. Et après, je crois que pour toujours pouvoir augmenter, en fait, votre personnage, vous allez avoir une nouvelle enclume, en fait, pour pouvoir... Ouh, sauver Buggle encore. Vous allez pouvoir... Anomalie, je crois que c'est ça. Anomalie détectée, une. Infusion de science, créature attelée, jardin remixé. Cool. Donc les choses, en fait, vont changer. Et comme je disais, donc les ennemis, en fait, vont devenir plus puissants. Ça va, on a gardé tout notre équipement. On a gardé nos mutations, qui sont augmentées, ok, en niveau et tout ça. On a gardé toutes nos connaissances. Ok, ça va. Et la carte. Maintenant, il faudrait voir, en fait, si notre bâtiment est toujours là. On va aller voir ça. Donc voilà, les ennemis sont plus puissants, vous allez voir en certains, et aussi les changements d'emplacement de certaines créatures. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc oui, une nouvelle enclume, comme je disais. Par où on passe? Par là. Je reconnais même plus le truc. Une nouvelle enclume pour pouvoir augmenter vos armes, en fait, plus haut que le niveau 9, et je pense que l'armure aussi, peut-être. Mais en tout cas, je sais certain pour les armes. Vous avez ça, vous avez quoi d'autre aussi? Ah oui, ça c'est déconnecté, donc il faut refaire l'histoire du coup. Ça marche par contre. Ça aussi, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a plein de choses, honnêtement, il y a vraiment plein de choses. Ah oui, il y a des nouveaux accessoires que vous pouvez trouver, vous savez, les accessoires comme ça là. Comment ça s'appelle? Les trucs spéciaux que vous pouvez mettre. Il y en a des tout nouveaux, extrêmement puissants. Et aussi les molaires, vous allez pouvoir les récupérer. Vous allez pouvoir retrouver des nouvelles molaires, en fait, dans le jardin. Donc, grosso modo, vous allez pouvoir continuer à augmenter votre personnage. Et j'ai encore ma tour. Et du coup, j'ai encore tout mon équipement, on est d'accord? Que je vérifie ça, juste pour être sûr. Genre, là, j'ai tous les coffres. J'ai encore tout. Donc, on garde absolument tout. On garde les bâtiments, on garde... Oups, pardon. Je voulais pas faire ça. On garde... on garde les ressources, on garde le personnage. Vraiment cool, vraiment vraiment sympa. Je vais juste retourner au laboratoire parce que je veux voir un peu la modification avec les molaires là. Parce que normalement on peut aller plus haut aussi que nécessaire, mais je sais pas si ça va être... on va pouvoir le voir là. Ah mais du coup je peux pas le faire. C'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. On verra ça une prochaine fois. Mais voilà, donc il y a plein de choses et il y a tout à refaire. Même la musique, je crois qu'elle est différente. Même la musique du monde est différente. Donc ouais, je voudrais bien te trouver. Ok. Ok. Donc il y a un scarabée buff juste ici en fait. Qui est normalement pas comme ça. Ça c'est un peu la zone de début. La zone de... Ouais, c'est vraiment la zone de début du jeu. Et il y a un scarabée buff directement dès le début. Donc, ouais, ça va être assez intéressant de redécouvrir, en fait, le jardin avec les créatures qui sont à différents endroits, les insectes qui sont à différents endroits. Donc, vraiment très, très intéressant. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo, ça aide énormément ma chaîne. Et si vous voulez voir plus de grandes aides sur ma chaîne, il y a bien sûr la playlist. Je mettrai ça dans la description. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.